Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. My name is Ihsan Gardi, and I'm the Executive Director of the National Council of Canadian Muslims. Thank you for joining us. Today, we are here to present an open letter from Canadian Muslim leaders and community representatives to fellow Canadians and specifically to our elected leaders. We are joined in this room by representatives from several national organizations, the Islamic Society of North America, the Canadian Council of Imams, the Council of Canadian Muslim Women, and the Islamic Social Services Association. They, among several dozen other national and local community organizations and leaders from across our nation's diverse Canadian Muslim population, are signatories to our open letter, along with allies from across Canada. To speak today, we are joined by the president of the Centre Culturel Islamique du Québec, as well as community representatives from Quebec. I'll begin by reading the abbreviated version of the open letter. Our hearts are deeply saddened by the tragic loss of life of six individuals as a result of the terrorist attack at the Centre Culturel Islamique du Québec on January 29th. We join our fellow Canadians in mourning their loss and sending our condolences to their families and loved ones and wishing those who were injured a speedy recovery. We thank our fellow Canadians who showed strong support for Muslim communities, demonstrating their solidarity in a variety of ways. Through vigils, rallies, online messages, cards, and human chains around mosques, Canadian Muslims felt embraced by their fellow community members. The sympathetic words of our elected officials were also comforting at a difficult time. The question must now be for all of us, now what? How do we move on from this heartbreaking event and ensure that we learn lessons from this tragedy? How can we work harder to stamp out hate against anyone for any reason in our communities? We do have some recommendations and we hope will be heard across Canada today, and which we hope will result in concrete action. We representatives from Canadian Muslim organizations and communities call on municipal, provincial, and federal governments to work together and to take immediate steps to support efforts to combat Islamophobia and hatred in our communities. At the municipal level, we call for all city councils to boost resources for local police services to receive training on hate crimes and to provide education and outreach to diverse communities. This would include quarterly updates to local police services boards and publicly released annual reviews of hate crimes. Training should also be provided for all officers in the area of bias-neutral policing. At the provincial level, we call for all provincial governments to create an anti-racism directorate, similar to that of the province of Ontario, which examines issues of systemic racism. All ministries of education, we also call for to commit to creating a mandatory course on systemic racism at the secondary school level, which explores xenophobia, anti-black racism, anti-Semitism, Islamophobia, and their impacts on our society, and that educators have adequate resources and training on these topics. And at the federal level, we call for all members of parliament to support motion M103, tabled by MP Iqra Khalid, member of parliament for Mississauga Erin Mills, which calls on the federal government to study ways in which Canada can reduce or eliminate systemic racism and religious discrimination in Canada, including Islamophobia. And finally, we call as well for the federal government that January 29th be declared by Parliament as a National Day of Remembrance and Action on Islamophobia. I'll now pass my comments over to Mohamed Yangui, the president of the Centre Culturel Islamique du Québec. Bonjour Mesdames et Messieurs, je suis venu aujourd'hui à Ottawa pour appuyer les recommandations faites par plusieurs organisations musulmanes canadiennes. La communauté canadienne de confession musulmane était la cible de la haine causée par l'ignorance et la réception de mauvais messages. On assume aujourd'hui un grand bilan chargé et complexe et un très lourd fardeau. On a vécu une expérience amère et on ne souhaite jamais qu'aucune communauté, une autre communauté soit visée par une expérience semblable. C'est pourquoi nous espérons que nos responsables publics prêteront attention aux recommandations proposées dans la lettre ouverte, non seulement pour soutenir les Canadiens de confession musulmane, mais aussi pour soutenir toutes les communautés. Abu Bakr Thabti, Abdel Karim Hassan, Khalid Belkassimi, Azzeddine Soufiane, Ibrahima Bari,
Mamadou Tanoubari. Vos âmes ont monté au ciel, mais on est sûr que c'était un prix pour avoir un Canada meilleur, un Canada exemplaire, un Canada dont le respect est mutuel entre tous les citoyens, peu importe la couleur, la confession, la religion, l'origine ou la langue. Nous remercions nos concitoyens de nous avoir soutenus lors de ces moments difficiles et de nous avoir aidés à appuyer cette lettre. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Haroun Bouazi, co-président de l'Association des musulmans et des arabes pour la laïcité au Québec. Aujourd'hui, on veut des politiques claires, concrètes, concernant la lutte contre l'islamophobie. On a vu les actes islamophobes absolument atroces et d'autres qui sont très graves, évidemment moins graves, heureusement, que ce qu'on a vu la semaine dernière. Les actes islamophobes, c'est l'ensemble des actes de haine, de rejet, de discrimination envers des personnes pour leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Il faut comprendre que ces actes sont le résultat d'un système islamophobe. Et comme dans tout système islamophobe, donc le racisme systémique, il faut le comprendre, il faut réussir à y apporter des solutions. On insiste évidemment que quand on parle de système, on ne dit pas que le Canada ou le Québec sont des environnements racistes. On dit qu'il y a des systèmes sexistes, des systèmes racistes, et il faut apporter des solutions. Et la conférence d'aujourd'hui est pour apporter des solutions à tous les niveaux, parce que pour un problème systémique, il faut des solutions globales. Je vais me concentrer sur deux points. Le premier, c'est la création du Anti-Racism Directorate, qui est l'équivalent de ce qu'on a chez nous au Québec du Conseil du statut de la femme pour les questions du sexisme. Il nous faut absolument une institution qui a pour rôle de s'assurer que toutes les lois, que toutes les politiques publiques s'assurent de ne pas augmenter, de ne pas créer des inégalités sur la base de la racialisation des personnes, qu'elles soient noires, qu'elles soient autochtones, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient latino, qu'elles soient d'origine asiatique. Le deuxième point, je pense, qui est très important par rapport aux différents services de sécurité, donc on parle de la police particulièrement, c'est d'avoir des chiffres réels, des chiffres qui nous soient communiqués d'une manière annuelle pour qu'on arrive à avoir une évolution, qu'on arrive à se rassurer sur le fait qu'on est dans la bonne voie. Je tiens à dire sur cette question de chiffres qu'il y a au moins deux problèmes. Le premier, c'est la question qui touche l'intersectionnalité des oppressions. Aujourd'hui, une femme musulmane qui porte un foulard, une femme noire qui se fait agresser dans la rue, est obligée de choisir si c'est du sexisme ou du racisme. C'est une forme de violence institutionnelle en soi. Il va falloir qu'on soit plus granulaire et qu'on prenne les questions d'intersectionnalité au sérieux. L'autre problème, c'est que la police doit être formée pour reconnaître, pour comprendre, pour prendre au sérieux les questions d'actes haineux. Je vous donnerai quatre exemples et je m'arrêterai là. Faut comprendre qu'à cette île, par exemple, quand une personne a saccagé une mosquée, la police nous a dit « ce n'est pas un acte haineux ». Il n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Quand une personne dans la même mosquée, quelques semaines plus tard, a fait un trou dans le mur et a essayé de mettre le feu avec du pétrole dans la mosquée, la police a attrapé la personne et de la même manière, ils nous ont dit que ce n'était pas un acte haineux. Il y a une personne sikh qui s'est fait agresser à Québec par des gens alors qu'ils portaient un turban, la police nous a dit ce n'est pas un acte haineux. Il y a une femme à Rosemont, à Montréal, il y a une femme qui était enceinte et qui portait un foulard qui s'est fait agresser par deux adolescents, ils l'ont fait tomber, ils sont partis. La police, encore une fois, nous ont dit ce n'est pas un acte haineux. On a un véritable problème institutionnel et il va falloir que nos leaders politiques prennent les choses au sérieux. Évidemment, le problème n'est pas juste au Québec, il se manifeste de manière différente au Québec, mais il est évident devant les choses de discrimination et de profilage qu'on peut voir à Ottawa ici même, alors qu'on vous parle par rapport aux gens, aux faciès musulmans, moyen-orientaux ou aux personnes noires, que le problème se manifeste différemment, mais il existe partout, et c'est pour ça qu'on appelle toutes les provinces à mettre en place les différentes recommandations qu'on leur a faites. Merci.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Sabrina et je suis une étudiante de l'Université Laval. Je suis étudiante au doctorat. Et quand j'ai entendu ce qui s'est passé à la mosquée de Québec-Sainte-Foy, qui est ma première maison au Canada, j'ai tout de suite pensé à quand j'étais plus jeune, une petite fille, et que j'allais moi aussi à la mosquée avec mon père. J'avais l'occasion de rencontrer tous ses amis, courir à droite et à gauche, mais c'était avant tout un endroit où j'étais en sécurité et aimée. Et je pense que la jeune fille ou la petite fille qui était là ce jour-là, ça aurait pu être moi. And it tears my heart to know that what used to be a sanctuary for us, for our youth, for our children, can now be a place of killing. So I would like to urge our ministries, our government, to support the creation of a mandatory course on xenophobia, Islamophobia, anti-Semitism, anti-black racism, because this is at the root that we can tackle the ignorance that triggers all these crimes. I would like to say that it's time for us to stand up for one another, to stop thinking that because something doesn't affect us directly, it is not our problem at all. Now is the time to invest in our social connectedness at the municipal, provincial, and federal level. Now is the time to understand that we can't just let go and do things halfway, not quite completely, not quite invest in the unity and diversity. J'aimerais dire qu'on ne peut plus se permettre de laisser faire ou de laisser aller. Le laisser-aller peut coûter des vies et on l'a vu. Et ça nous fait mal et on ne peut plus. C'est fait. La douleur est là. À mes yeux, il n'y a pas de prix plus fort qu'une communauté puisse payer. Donc je demande à nos leaders politiques, à notre gouvernement, de mettre en place un cours pour nos jeunes, pour leur donner les moyens d'être unis au Canada. Merci. So all media should have received a folder where you will have a list of the signatories to the open letter. It's going to be available on our website at nccm.ca, and we will be adding to that list of endorsees. Furthermore, you have both the English and French version of the open letter, and if there's any questions now, we can take it. My name, by the way, is Amira El-Gawabi from the National Council of Canadian Muslims, so if there's any questions. Stephanie Levitz, I'm from the Canadian Press. I just wanted to follow that idea that now is the time for this connectedness. I mean, what is it about now? Is it about the shooting? We've seen, this is obviously the most horrific incident, but we've seen other incidents of anti-Muslim sentiment. Why right now do you say it's the most important? It's so important right now that there will be action taken on combating Islamophobia and other forms of racism, because what happened in Quebec City was a wake-up call for the entire nation that leaving hatred to fester in our communities can lead to the loss of life and the destruction of people's communities. And also, the shooter himself succumbed to his hatred and, you know, acted out on the ignorance and the misinformation and the fear that he had. So this is really a collective issue, and we really have felt the widespread support from Canadians right across the country. And we have heard, you know, we've received messages at our organization, we know at other mosques and other organizations, of people, regular Canadians, as well as officials calling us saying, what can we do? We understand you have been struggling with Islamophobia for a long time, and now we really do feel that urgency to do something now. So this open letter is to help sort of provide some direction as to where we go from here. The act in Quebec City was described as an act of terrorism. Do you agree with that assessment? And do you have concerns that
of any kind. That domestically, when we talk about domestic terrorism, the focus always seems to be rooting out Islamic extremism as opposed to the kind of attitudes that might have led to the event in Quebec City. I think that Canadians are concerned about all forms of violent extremism wherever it emerges from. And we know that there has been a major spotlight on violent extremism emerging from Muslim communities, but we really need to be paying attention to right-wing extremism, white supremacist extremism, and in fact, at a Senate committee a few years ago, I think last summer, we actually heard from an official with the Quebec police who said, for the Quebec police, they are the most concerned with the growth of right-wing and supremacist groups. So they themselves have acknowledged that this is their most important concern. Unfortunately, it doesn't make the headlines. And I think now we understand that these issues of collective safety all have to be looked at holistically. À propos du cours que vous demandez, il y a dans le curriculum dans les écoles du Québec un cours d'éthique et de culture religieuse. Est-ce que vous allez regarder le contenu de ce cours-là? Est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce que ce serait là-dedans que vous voudriez que... Oui, on pense que effectivement ce cours-là pourrait être au niveau du Québec un très bon cours. On pourrait rajouter explicitement la question du racisme, du sexisme, de l'homophobie. Toutes les questions de domination sociale envers des groupes. Aujourd'hui, on parle de vivre ensemble sans expliquer qu'il n'y a pas de vivre ensemble possible sans une véritable égalité et justice. On parle de, le secours-là parle de tolérance. Nous, on ne pense pas qu'on est là pour se tolérer. On est ici pour se respecter, pour construire un avenir ensemble égalitaire et juste. Et donc, il va falloir absolument qu'on donne les outils à nos élèves pour qu'ils comprennent c'est quoi l'essentialisation, c'est quoi le racisme, c'est quoi la décolonisation. C'est quoi le sexisme? C'est quoi tous ces concepts-là qui sont très importants pour pouvoir créer des bons citoyens? Est-ce que vous trouvez que toute la question du racisme, discrimination est plus intensifiée au Québec qu'ailleurs au Canada? Est-ce que c'est une impression qui se dégage pour vous? On pense que l'histoire particulière du Québec fait en sorte que ça se manifeste différemment. Il y a beaucoup de chiffres qui nous montrent que par rapport aux Premières Nations, par exemple, ou même par rapport, encore une fois, si je reviens à l'exemple d'Ottawa particulièrement, au profilage qui est fait par la police envers les gens de physique moyen-oriental ou noir, on voit bien que les problèmes sont majeurs partout. Bon. On pense que l'égalité est un concept radical. Il n'y a personne qui peut accepter dans notre société ou qui devrait accepter qu'une femme gagne moins qu'un homme sous prétexte qu'elle est une femme, qu'un noir s'arrête plus par la police sous prétexte qu'il est un noir ou qu'une femme qui porte un foulard va se faire cracher dessus dans la rue. C'est juste inacceptable et la seule réponse à ça, c'est une lutte jusqu'à l'égalité. Une série d'événements troublants. Pourquoi agir maintenant? Pourquoi faire cette demande maintenant? Pourquoi ne pas l'avoir fait avant alors que... Alors, je vais parler au nom de notre association. Nous avons eu la chance de rencontrer M. Coiteux, et à qui nous avons donné 6 recommandations qui touchent aux questions de lieux de culte particulièrement, aux questions aussi du manque de représentativité à l'intérieur de la police par rapport aux minorités racisées, aux questions du manque de représentativité dans ses propres ministères, donc il en a 2, que ce soit la sécurité publique ou par rapport aux affaires municipales. Et ça, c'est il y a déjà, c'était en septembre dernier. On travaille depuis 4 ans sur les questions et on a fait des recommandations à tous les paliers. En 2015, on a rencontré M. Coderre concernant ces questions de sécurité aussi. Donc là, on revient carrément à 2 ans en arrière. On est allé en commission parlementaire à plusieurs reprises avec des mémoires concernant ces questions-là. On a vu actuellement que les Québécois sont sortis dans les rues par un froid glacial à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Montréal, à Québec, pour expliquer que ça suffit, qu'il y en a un certain nombre qui ne sont absolument pas d'accord avec cette haine et qui aujourd'hui ont décidé de parler. On pense que c'est le moment de tous travailler ensemble. On a vu aussi, évidemment, à l'extérieur du Québec aussi, et encore une fois, j'insiste sur le fait que les problèmes se manifestent différemment à l'extérieur du Québec. On a vu que avec ce qui se passe au sud de nos frontières, qu'il faut absolument qu'on soit unis sur ces questions d'égalité, et les discours ne s'y feront pas. Les discours contre le sexisme n'arrêtent pas le sexisme. Il y a des lois qui ont été prises contre la violence faite aux femmes. Les discours contre l'homophobie n'arrêtent pas. Il y a eu des campagnes publicitaires dans nos télés pour contrer l'homophobie. Il y a eu aussi des formations dans les écoles pour contrer l'homophobie. Aujourd'hui, il est temps de prendre action contre les questions d'islamophobie. Plus personne ne peut vivre dans le déni par rapport à ça.
Je tiens aussi à dire qu'en parallèle avec ces actions-là, il y a aujourd'hui même une conférence de presse à Montréal pendant qu'on se parle qui est appuyée par 62 organismes québécois qui demandent une commission sur le racisme systémique, qui est aussi encore une fois une demande qu'on a depuis le mois de mai dernier, donc plus qu'un an. Et donc en parallèle avec ça, il va falloir comprendre les questions de racisme systémique pour pouvoir leur apporter des solutions globales. À l'extérieur du Québec, vous expliquez concrètement de quelle façon ça se manifeste différemment. Je veux comprendre la différence. Écoutez, je peux citer des sociologues qui ont étudié la question. C'est sûr que le fait que notre histoire au Québec est une histoire catholique très forte, et donc la question catholique fait en sorte que l'Église catholique, si vous voulez, n'a pas été l'Église qui a le plus accepté la liberté de conscience des autres, historiquement, alors que les églises protestantes, étant donné le fait même qu'il n'y a pas cette hiérarchie qui monte jusqu'au pape, fait en sorte que la liberté de conscience est quelque chose de beaucoup plus compris, si on veut, du côté protestant en général. Donc la manifestation de l'islamophobie, par exemple l'antisémitisme, se manifeste différemment. Je vous donnerai juste un exemple. La notion de laïcité, par exemple, qui est un concept qui a été très, très, très débattu au Québec, est un concept qu'on ne peut même pas débattre en anglais parce que le mot n'existe pas, étant donné qu'il est directement relié au fait que c'était pour se débarrasser du pouvoir politique de l'Église catholique, alors que du côté protestant, évidemment, il n'y a pas cette institution religieuse qui est hégémonie. Donc l'histoire est différente. On voit bien que ce n'est pas parce qu'on est protestant qu'il n'y a pas une manifestation du racisme, c'est juste que c'est sur d'autres bases que ça se manifeste. Et il suffit de voir au sud de nos frontières pour voir qu'on n'est juste pas immunisé par rapport à ces questions-là, quelle que soit notre histoire. So again, I don't think that Islamophobia is stronger in Quebec or racism is stronger in Quebec. I think it's different, and there is numbers that show that for discrimination at work it can be worse in Quebec. For profiling by the police, for example, the number of Ottawa are actually the worst I ever seen. And that's regarding black people and Middle Eastern people, and we assume that they look like Muslims, like the racialization of Muslims actually make them even more profiled. So the reality of the background of the history of either Quebec or rest of Canada is different based on the history about colonization, the relationship with First Nation, the relationship with the church, so the Christian church on the Quebec side, and the Protestant side for the Anglophone. So all these things make that, you know, and this is why we think we actually need to have a course on systemic racism, because racism is something that is actually historical. Okay, so it's built year after year, century after century, and it builds inequality on inequalities. You know, we cannot understand today profiling of black people without understanding that we had actually slaves in Canada not that long ago. We cannot understand how actually women are disappearing or being killed from the First Nations without understanding all the colonization of their land that happened not that long ago. We cannot understand the relationship with Jews, for example, if we don't come back to what happened in the 30s with Asians, if we don't come back to what happened again on the World War, so and how we put them in camps, for example. So we have to understand our history, the bad things and the positive things. It's very important to understand that we are a lot better than what we were a century ago, that they have these movements of equalities that happen for women, for black, for Jews, for homosexual, and we have to understand and be proud of that and understand the holistic view of all the racism, either positive things that happen or negative things. What about the current context outside of Canada? Obviously, the Quebec City brought in social media platforms that express sympathies towards right-wing political movements in Europe, and also the current president of the United States. A lot of people are, of course, concerned about the travel ban that has singled out Muslim countries. The promises during the campaign, of course, were even more extreme than that, it would seem. Is that something that the Canadian government and levels of government can do? Is this something that is concerning the Muslim community in Canada as well, these exterior forces?
I think we cannot ignore what's happening around the world. I mean, borders have always been porous, but now we also have social media, we have online information coming at us at all times. So the rhetoric that's coming from whether it's Europe or whether the United States about different communities, and of course in particular about Muslims, will certainly reach audiences here in Canada, and unfortunately may have had something to do with why the shooter did what he did. But we're still of course waiting for information from law enforcement agencies to know exactly what was behind the motivation. That being said, of course there is a context, and that context has indeed contributed to a growing climate of concern, of fear even. And I think that governments have of course a responsibility to listen to their citizens to understand, you know, what's impacting on their well-being, on their ability to contribute positively to their communities, and then sort of listen to hear what, how can they help, in what way can they support these issues. So of course the context is very, very important. Okay, I will answer in English, and if you need it in French, I'll ask Haroun to translate for me. So at our organization, the National Council of Canadian Muslims, we have been, of course, monitoring the way that Canadian Muslims have experienced travel, whether it's to the United States or to other places. And we do keep records of the kind of treatment that people have been experiencing. And even before Mr. Donald Trump's election, we have received complaints of racial profiling, of scrutiny that sort of goes very far and becomes very invasive, and there will be sort of complaints that will come out of that. So certainly now with his election and with these type of reports that you describe, we are certainly encouraging Canadians to report what they're experiencing so that we can of course raise it then with the federal government to ensure that the federal government is aware, again, because they have the power and the responsibility to work with the American administration to ensure that Canadian citizens are treated fairly and equally and not discriminated against in any way. So c'est donc pas un cas isolé. Non, je ne répéterai pas, mais je suis mille fois d'accord avec ce qui a été dit avant. Si vous voulez, je peux juste faire la traduction. Ça. Mais non, ce n'est absolument pas un cas isolé. Je pense que tous les gens derrière moi ont été fouillés d'une manière aléatoire à chaque fois qu'on passe les frontières. Je veux dire, les questions de discrimination envers les musulmans quand ils passent les frontières, c'est une question qui n'a pas commencé avec Trump, ça c'est évident. Et puis à plusieurs niveaux, on a vu encore une fois à l'intérieur des institutions, là vous parlez des institutions étrangères, mais aussi les institutions canadiennes, il peut y avoir un traitement, possiblement d'une personne isolée, mais quand même un traitement qui soit inégalitaire par les institutions, que ce soit au niveau des frontières ou à la police. Canadien devant le cas de cette femme. Ce qu'on nous répond, c'est qu'on a l'assurance que les citoyens canadiens peuvent traverser aux États-Unis et que s'ils ont besoin d'aide, ben, qu'ils aient voir les autorités américaines. Mm-hmm. Est-ce que le gouvernement doit faire plus que ça? Malheureusement, je ne connais pas du tout les détails de cette histoire, fait que je ne pourrais pas commenter, mais je reviendrai et j'appuierai ce qu'a dit Amira avant moi. C'est que le gouvernement a la responsabilité de collaborer avec les autorités américaines pour s'assurer que les droits de leurs citoyens sont respectés. Et donc, dans ce cadre-là, pour ce cas-là, je ne pourrais pas malheureusement vous répondre. Mais en général, on pense que le Canada a un rôle important. D'ailleurs, pas juste là. Je prendrai d'autres cas qui se passent plus loin quand on pense à... comment il s'appelle, Rafik, le blogueur qui est Monsieur Badawi aussi en Arabie Saoudite. Partout il y a des gens, alors dans ce cas-là, ce n'est pas un Canadien, mais partout il y a des gens qui sont citoyens ou qui sont Canadiens et qui ont affaire à des traitements qui sont injustes, que ce soit de l'emprisonnement, de la torture ou même tout simplement ce qui s'est passé aux États-Unis. On pense que le gouvernement canadien doit prendre action, quelle que soit d'ailleurs la religion de la personne.
Okay, with that, we must conclude the press conference. You have our cards are available for you if there's any need for follow-up. Thank you so much. Je me demandais si dans votre réflexion, en plus de, aussi de dénoncer l'islamophobie et le racisme, vous avez aussi une partie de vos mots, parce qu'il y a une partie de réflexion sur le contrôle des armes. C'est une très bonne question, surtout que bizarrement, cette question-là n'a pas du tout été abordée dans les médias. Malheureusement, la police, pour une raison obscure, ne nous donne aucune information sur les questions des armes à feu qui ont été utilisées. Au début, c'était un AK-47 et puis après, on ne sait plus. Donc personnellement, je pourrais pas vous répondre si je ne sais pas s'il y a quelque chose qui n'a pas marché ou pas. Étant donné, pour revenir à la toute première question, pour l'instant, le motif haineux n'est pas... Vous avez demandé est-ce que c'est correct de ne pas avoir le terrorisme comme motif dans l'attaque. Le motif haineux, pour l'instant, n'a pas été retenu. L'enquête n'est pas finie, mais encore une fois, on pense que c'est très important aujourd'hui de faire attention à une situation qui nous paraît assez surréelle si le motif haineux ne sera pas retenu d'ici la fin. Par contre, pour en revenir à Polytechnique, on demande dans le même cadre avoir une journée, qu'à partir de maintenant, la journée de la tuerie soit la journée de lutte contre l'islamophobie au Canada, pour que ce soit un rendez-vous annuel, qu'on soit capable de faire, de se rappeler et de ne jamais oublier la tragédie qui a touché tout le pays au complet.